au screen. Alors. Regardez, ça s'est creusé. Potentiellement louper une case. Ok, réessayons. Est-ce qu'on peut mettre un là-dedans? Ouais. Ok, un de plus derrière. Du coup, à quoi ça sert de faire tout ce chemin? Life up. Demande module de santé. Ok. Ok, ok. Ouais. Où est la première porte? Est-ce qu'on avait des portes ici ou c'était juste un gros corridor? Une porte là. Champi. Ah. Ils font pas mal de dégâts ceux-là. On peut monter ici. Ok, d'abord. Faire attention avec un gars qui poursuit. Donc y a pas d'autre switch. Ah. On va peut-être éviter d'aller voir pour l'instant celui-là, quoique non, c'est vrai qu'on n'a pas de saut. Les zones glitchées, c'est pas pour tout de suite. Je peux pas sauter aussi haut. Fermé. Trace. Je m'appelle Else Nova. Et tu avoues que j'ai entendu? Oui. Nous sommes reliés par la belle Chine Esprit. Je réparais filtre d'alimentation. Je meurs. Une alimentation? Ben, je peux toujours essayer. Il est où? Assez loin. Désolé, je dois me reposer.
Salut. Attends, où sommes-nous? Ça sent pas bon du tout. Kilver. La charge d'électricité de faible portée. Shotgun. Ok, on peut récupérer le bolus de Santero. Et à droite, on a quoi du coup? Avant que je m'en aille. Une sauvegarde, ok. Bon, bien. On va aller tester sur le sur l'autre mec, voir ce que ça donne. Est-ce qu'il n'y a pas de bloc à creuser apparemment? Ok, ça fait pas mal de dégâts, en tout cas. Ok, ça va encore. Y a un truc dans le coin. Ouais, il vaut mieux prendre un gros chargeur. J'en prendrai moins. Il va pas réussir, on risque de se prendre un boss. Les jeux de Kanso sont une sauvegarde. La puissance pour cela. C'est trop dangereux d'accéder. Et voir une zone plus simple d'accès que j'ai dû louper. Au moins une zone qui me permet d'avoir plus de dégâts. Et du coup, si je vais ici, ça te la mort. Parce qu'au bout de deux, ça il respawn. Il faudrait plutôt que j'explore de côté du gros corridor. Ok, donc c'est peut-être plus tard que ça. Peut-être plus tard que c'est une zone de boss. Mais...
a pas beaucoup de PV ici. Ok. Comment ça, c'est une zone de repos à moitié? Suspect. Non, normalement pas grand chose ici. Ok, boss par là du coup. S'il y a besoin du disrupteur. Qui ont besoin du disrupteur pour aller jusqu'ici? Bon sang, il est encore plus gros celui-là. Mais bon. Écoute, je veux aucun mal. On va peut-être en parler. Parler. Ouais. Ok, maîtresse, j'ignore comment je suis arrivé là ici, si, mais... C'est bon, à toi ça dit, tu es... Très bien, tu l'as revelu. En position. Son... son mode de tir. Nice. T'es là, le Venant. Ok. God boss. Je le check. Du coup, bonus ici. On active les plateformes. Décepteur d'adresse. Goron restaure les blocs et ennemis inférieurs. D'accord.
ça c'est juste pour qu'on puisse remonter. Et si on va plus haut, ouais, on peut remonter jusqu'à une petite sphère de vie en plus. Nice. Ah non, c'est juste un switch, c'est vrai. Ok. On peut tout dématrixer si on veut. Fort bien. Et ça, par contre, c'est une vraie herbe de son. Donc ça sert à rien de démolir celui-là. Ok, donc lui il est juste inexistant en fait. Donc ça juste désactive, mais ça veut pas dire que ça le détruit nécessairement. Il faut qu'il descende ou je ne sais quoi. Module de taille. Augmente la taille des projectiles de vos armes de façon permanente. Oh. Ok, ok. Du coup, ça ramène juste. Inévitablement, ok. Très bien. Une chance à la matrice. Il y a un truc à gauche. Est-ce qu'il y a un endroit où ce serait possible de creuser? Non. Ok, donc il y a un autre truc par là. C'est pas trop grave. Et on revient de l'autre côté. Ok, je vais juste prendre ça vite fait.
Ça, c'est pas accessible. Ah, save. Ok, avance. Doucement mais sûrement. Est-ce qu'on en est dans la carte? Ouais, donc il y a encore quelques petites zones à explorer et on explore pas trop mal. Ah, ça neutralise tous les ennemis. Donc le choc disruptif il est un peu loin. Là, je suis entre les deux portes. Ok. Ok, lui il remonte. Et là. Un peu sans savoir comme plateforme. Si je le garde en vie, celui-là on pourrait. Il y a un truc qui peut glitcher ici. On peut quand même aller de ce côté. Il y a un spécial sinon par ça. Là où il n'y a rien non plus, ok. Bon, toi, il y a une petite. Là, d'avoir une petite grille sur le côté. Non. Lui, ça fonctionne pas. D'accord. Ok. Pas pour tout de suite. On a encore quelques petits noyaux à récupérer sur le reste. Il doit faire trois quarts. Ça fait rire du coup. Du coup, je dois traverser la grosse araignée de l'autre côté également. Ok, donc on a encore quelques petites zones. Au moins améliorer les dégâts de l'arme. C'est le haut, mais sans en faire de bas. Ils font un point complet. Un PV de données. Ouais, il semble qu'il y a un truc ici. Hein.
n'a pas d'accès direct. Et du coup... Moi j'ai jamais été en dessous ici, d'accord. Ok, donc normalement... Ok, ok. Est-ce qu'elle était la dernière save après ça? On va voir. Il n'y avait aucun point de save avant de traverser le boss. Donc j'ai besoin de remonter, de repasser avant le boss pour pouvoir récupérer la save derrière. Ouais. Ouais, donc il aurait fallu peut-être que je continue plutôt dans l'autre coin. Je peux techniquement... Comme ça c'est bon pour moi. Pas pratique. Ok, elle devrait être bon. Ok. Ok, du coup si j'explore la zone inférieure. Il y avait une porte ici. Mais je pense que tu as besoin de glitcher pour remonter. Ah, un autre point de save. Ok. Non, bien. Ça aide. J'ai quand même eu de la chance de récupérer tous mes PV en bonne et due forme. Qu'est-ce donc? Page de journal. Il se nomme Xedur. J'ignore comment je le sais, mais je le sais. C'est étrange qu'une telle chose possède un langage, et encore plus qu'elle possède sa propre identité. J'ignore combien de temps je vais tenir. Je le perds un peu plus chaque jour. Soit une vibration étourdissante. La vue en feu kaléidoscopique, l'odeur et le goût ouvrent des mondes de terreur. J'ai touché le pire. Une masque des manches picote et se contorsionne. Elle s'étend et supplante. Il n'y aura rien à sauver quand tout sera fini. Okay. Mais encore. Ok, du coup on revient par ici... On accède des warp à un moment dans ce jeu-là, ou ça va juste être l'aventure normale? Que la seule couleur qui est à gauche, on peut que en venir.
Il y a une zone avant que j'ai pas explorée derrière. C'est toujours pas le bon moment pour aller les voir. Juste récupérer assez de PV, mais de toute façon, on sera bon derrière. Comme ça, moi, on sera certain. Ouais, non, on peut pas faire d'épée. Du coup, je suis obligé de continuer vers là où j'étais avant, c'est ça? On va quand même espérer descendre sur un de ces corridors, à la limite. Donc, attends. Jamais descendu. Ah oui non, parce qu'il y a besoin de... Il y a besoin d'un accès. Rien de spécial par là. Donc ouais, c'est juste... Juste survivre le mieux qu'on peut. Toujours pas d'accès à cette fameuse porte et on va être obligé de se transférer de zone en attendant. J'ai que plus d'ennemis. Ok, du coup on va... Oh, il y avait quoi? Ouais, c'est un peu un enfer. Je sais pas non plus. Hein.
Ok, donc ça c'est encore autre chose. D'accord, donc on est vraiment obligé de sortir d'une seule zone de ce corridor. Neutralise pas toute une espèce entière, comme j'aurais pensé. Bon. Il n'y a que rien d'autre par là. Bon. Ouais, ça va pas être commode, hein. PV2. Plutôt effrayant. Et ils réagissent à la vue. Ok. Je vais pas sauter aussi haut. Ok. Ouais, la zone devient vite coriace. Hein.